Moi j'étais un danseur de rue comme tout le monde, voilà, je pratiquais que de la performance et j'ai eu la chance de rentrer dans une compagnie professionnelle qui était basée à Lyon, qui s'appelle la compagnie Kefig. On a monté un spectacle, alors ce qui était étonnant c'est parce que le spectacle, on dansait avec des violons et c'est vrai qu'à l'époque personne n'aurait pensé un jour que nous en tant que b-boy on allait danser avec un violon. On a présenté le spectacle ça, sur Paris. Et c'est en une semaine, on a eu plus de 100 dates. Donc là, on a eu le tour du monde tout de suite, quoi. Le hip-hop à La Réunion a pris beaucoup d'ampleur depuis ces dernières années. Beaucoup de groupes travaillent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. À mon sens, peut-être encore pas assez, parce qu'il y a un manque de communication par moment. Il y a un manque de suivi, surtout, au niveau des institutions. Mais sinon, auprès des jeunes, le hip-hop a pris une grande place. La Réunion, on a notre propre culture, donc le maloya, le moringue, donc des danses qui influencent aussi la danse hip-hop. J'ai envie de dire que ça devrait nous influencer plus. Maintenant, pour être honnête, c'est pas trop le cas. Parce que les danseurs à La Réunion, ils prennent plus leurs influences sur les b-boys et à la limite, voire les cultures d'ailleurs. Donc les origines salsa, les origines capoeira, Amérique, France, voilà. Et donc c'est vrai qu'on a une force à La Réunion qu'on n'utilise pas forcément. Le hip-hop, il est parti d'un partage, c'est-à-dire ça a été le mélange de plusieurs danses, plusieurs cultures. Et donc du coup, c'est ce qu'on reconnaît quand les gens viennent chez nous. On fait ce qui s'appelle la coutume, c'est-à-dire on donne et on n'attend rien en retour. C'est juste le plaisir de donner, de partager. De montrer aux gens ce que nous on a chez nous, notre richesse. Quand on est en Nouvelle-Calédonie, on prend plutôt ça comme un entraînement pour après aller à l'international et gagner les battles en international. Le mouvement évolue à chaque fois, donc on découvre à chaque fois des nouveaux mouvements qui arrivent, mais la culture en elle-même, elle reste telle qu'elle, elle ne bougera pas, ça restera toujours comme ça. Et la culture hip-hop, c'est le respect déjà des uns des autres et la danse, faut la respecter, quoi. On est danseur, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette danse? Et c'est ça la grande question. J'essaie plutôt de travailler ma danse debout, ma présence scénique en fait. Je suis très stratégique, ouais, en battle, par rapport à mon adversaire. Parce que en dehors du battle, ça peut être un ami, mais arrivé dans le battle, il n'y a plus de pitié, c'est la guerre. Le passage parfait, c'est quand là, ton adversaire il finit son passage. Bah toi, t'enchaînes direct derrière et tu en as oublié son passage, quoi. Juste avec ta rentrée. Et après, tu enchaînes sur ton passage. Danse debout, feeling. Après, la descente au sol, footwork. Un peu de power. La freeze à la fin, pour marquer la freeze, pour bien dire que t'es. Et à la fin, le foundation, juste pour dire que t'es là. C'est toi qui viens de passer. Et ça, c'est un passage clé. Et t'as sorti jamais dos à l'adversaire. C'est bien d'avoir son propre style. Même si, un exemple, on ne fait pas ce que l'autre il sait faire, faut pas tout de suite se dire « mais je suis obligé de faire ce que l'autre il fait parce que sinon je ne serais pas un b-boy ». Et c'est ce qui se passait à l'époque. À l'époque, quand tu ne savais pas faire une coupole, tu n'étais pas un b-boy. Si tu ne savais pas tourner sur la main, tu n'étais pas un b-boy. Donc chaque année, les premiers mouvements arrivaient, les nouveaux mouvements. Et si tu ne savais pas faire ça, pour eux, tu n'étais pas un b-boy. Il y a eu pas mal de mouvements qu'on a vu encore tout à l'heure au battle que certains danseurs reproduisent et pour moi c'est pas nouveau. Donc il y a eu des trucs, j'étais pas surpris, je me suis dit bon c'est beau sur le coup mais voilà il n'y a pas de l'originalité. Par contre il y en avait d'autres, ils en avaient. Mon projet
sur la Nouvelle-Calédonie, faire grandir ce mouvement-là, motiver nos futures générations à faire pareil. Comme ça va éviter de remplir les quartiers, de sortir de la délinquance, ou leur donner un petit coup de pouce. Ça m'a apporté beaucoup moi-même. En tant qu'individu, la danse m'a fait sortir de beaucoup de choses. Je veux faire connaître ça à mes petits frères après. Du jury, ça fait 3, 2, 1, 0. Ça fait 1, 2, 3, 0. Ok, donc le winner du battle, Monsieur Gary. Alors, Pache, moi honnêtement, franchement, c'est un très très bon danseur. Il y a une belle technique, il y a vraiment un très très bon niveau, quoi. Vraiment, je pense que ça promet là, le futur, là, à Nouméa, ça va faire mal, je pense. Cette année, ça va faire 5 ans que je danse. Pendant un moment, j'étais inspiré par Thésis, pendant un moment, j'étais inspiré par Monir. Et maintenant, j'essaie de trouver mon juste break à moi. Mes passages, je les construis. Avant, je les construisais, je les écrivais. Quand j'écris, c'est faire un peu comme un résumé. Et c'est plus des codes. C'est des codes que j'écris. En plus, c'est vraiment un gars en face de moi qui n'a pas le marais sous page. Maintenant, je m'en fous un peu. Je vais être plus rentre dedans. De tout ce qui peut se passer en fait. On est quand même à plus de 11 000 km de la métropole, donc pour nous c'est une chance. Et d'avoir été invité par Thomas et l'association Attitude à participer au BOTY, étant donné qu'il n'y a pas eu de qualification réunionnaise cette année, franchement c'est un rêve qui se réalise. Alors nous on s'est préparé dans le but du BOTY Réunion, maintenant nous on se prépare concrètement depuis mars en fait. Voilà. Et puis on a su notre participation il y a à peu près un mois. Donc du coup on a redoublé les trainings, on a redoublé les répètes pour justement arriver au travail qu'on fournira demain. Donc notre identité c'est Brigand, mais on représente notre île. Et on représente aussi, on a un clin d'œil, une petite pensée à toutes les personnes de la Réunion qui aimeraient être à notre place. Donc voilà. Battle international qu'on a eu en Nouvelle-Calédonie, on a fait un événement, c'est la première fois, c'est le PBE, Pacific Break Events. Là, on a invité les Australiens, les Néo-Zélandais et les Japonais. Donc du coup, ça a été une bonne expérience pour nous. On peut le dire, on a pris une baffe quand même, parce que du coup, c'était intéressant, on a bien échangé. On a vu des choses qu'on ne voyait pas forcément avant par les vidéos. Puis là, en vrai, quoi, en plus le contact avec les b-boys, c'était trop bien. Il n'y a pas à dire, c'est le rêve de toute une vie. Si on break aujourd'hui, c'était pour arriver à un objectif. On a tous fait ce rêve au moins de participer déjà au BOTY et de le gagner en plus. Je crois que là, c'est bon, on peut mourir demain. ICFA avait organisé Street Force Attitude, avait organisé des qualifs au sol culturel du monde. Ils avaient déjà présélectionné 30 danseurs. Après, sur les 30, on a fait une pré-qualification. 16 en sont ressortis et après les 16, ils ont fait des battles.
Et après, il y en a eu 8, et les 8 ont formé la Dream Team. Let's go, go, let's walk in on the cloud. I'm ready for you and I. Let's go, 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 let's walk in on the cloud. No cloud, no, no cloud. Let's ready, ready, let's go. Parce que nous à La Réunion on n'est pas habitué à faire de grandes scènes comme ça. Effectivement à La Réunion à chaque fois qu'on fait des scènes écoute il y a peut-être une centaine de personnes devant nous. Là on se retrouve avec plus de 10 000 personnes. Donc voilà il a fallu pas prendre la pression mais plutôt renvoyer la pression. C'était pas facile pour nous. On a fait notre mieux, puis on a bien préparé tout ça et puis on espère l'année prochaine on va revenir et encore mieux encore. Voilà. Quand j'ai vu les 10 000 personnes qui souriaient et qui avaient envie de voir notre show, je me suis dit allez c'est parti. We'll be right back.
On va attendre ça, super pépère. Voilà. Et voilà, salut, voilà. Le coup, c'est vrai qu'on a passé des étapes un petit peu difficiles au niveau de la team à Nouméa. Mais voilà, le dur labeur qu'ils ont, ils ont joué le jeu. J'ai pas été facile aussi avec, sur le travail, la ponctualité et tout ça. J'étais, on va dire entre guillemets, j'étais un chien. Je les ai fait baver, mais pendant un mois, voilà le résultat. Donc du coup, je suis fier. On a tout fait déjà pour gagner un battle, arriver en demi-finale. Après, en demi-finale, on était un petit peu à court de combinaisons, parce que ça marche beaucoup aux combinaisons. Mais déjà, la demi-finale, c'est... Dédicace à tous les différents coups, oui, ouais, dont viennent les différents danseurs. Resurrection, Saiyan Breakers, ouais. La Relève, Urban Merci. Breaker Crew. Et en fait, on a pioché un petit peu les richesses de chaque coup pour en faire un petit peu les combis qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Donc en tout cas, on a essayé de faire au mieux. C'est vrai qu'on est arrivé à un stade de cette compétition, on n'avait pas le droit à l'erreur. Pour faire évoluer la danse hip-hop, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on va avec cette danse-là? Où on emmène cette danse-là? Est-ce qu'on la laisse comme elle est? C'est la danse de rue, ça restera dans la rue et tout le monde connaît, parce que je pense que dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le hip-hop. Ou est-ce que justement, avec notre propre technique, on fait un vrai travail artistique? Et si on fait un travail artistique, c'est d'aller travailler avec des compagnies, c'est de créer des spectacles. C'est ça le futur du danseur, c'est pas de faire la démonstration. Je pense qu'à un certain âge, après on peut plus. Aujourd'hui j'ai 41 ans, bientôt 42, je ne fais plus les choses que je faisais il y a 10-15 ans, quoi. Et c'est évident, mais au moins je suis sur scène. 1, 2, 3.